Salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour deux petites nouveautés qui ont été ajoutées dans Medieval, mais je tenais à vous les partager. On va regarder le petit teaser, mais très bref, très très bref. Le teaser que Toplize a posté pour annoncer cela. Donc il y a deux petites nouveautés. On va le voir en image après le teaser. Et comme ça, vous serez au courant des deux dernières nouveautés qui viennent d'être mises en place. À tout de suite. Après le petit teaser qui était très court, hein, vous avez vu, très condensé pour annoncer cette nouveauté des feuilles d'automne, je ne pourrais pas vous le montrer réellement dans le gameplay puisque au niveau de ma map, je suis au printemps. Donc tout simplement, je vous montrerai une image, une capture d'écran que j'ai faite, comme ça sera plus simple, comme ça vous verrez vraiment l'état de feuilles parce que le teaser est vraiment très rapide et très condensé, il faut le regarder plusieurs fois. Là, je vais vous montrer comment, plutôt où trouver. Comment crafter votre épouvantail? Donc avec Q, vous allez dans les mobiliers et décorations. Vous allez ici dans divers. Et ici, vous voyez, vous pourrez débloquer l'épouvantail. Bon, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas assez de technologie en construction pour pouvoir le débloquer. Et j'en suis loin. Mais ça demandera des rondins, des bâtons, du fil de lin, du tissu de lin et des cuirs. Il faut avoir débloqué la technologie de construction à 5000 pour pouvoir avoir l'épouvantail de débloquer. Une fois qu'il est débloqué, effectivement, ben, vous achetez le plan ici, vous débloquez et vous pourrez poser vos épouvantails dans le champ. On se retrouve maintenant sur l'image, la capture de l'écran concernant les feuilles. On se retrouve donc sur l'image que j'ai faite en capture d'écran au niveau du teaser. Donc là, on peut voir clairement qu'il y a une PNJ qui, vous voyez les tas de feuilles autour d'elle, qui ratisse des feuilles. Donc, ce sera valable toutes les saisons automne et pas les autres saisons. Donc, sous ces tas de feuilles, vous trouverez du loot. Alors, c'est aléatoire. Ils n'ont pas précisé exactement ce qu'on trouvera là-dessous, mais il y aura du loot. Ça peut être comme ce qu'on trouve dans les tonneaux, ça peut être du loot comme dans les chariots. Enfin, ça, c'est gros point d'interrogation. Alors, on pourra le trouver nous-mêmes, je pense. On voit là que c'est une PNJ. Est-ce que ce serait la cueilleuse qui peut le faire? Ça, c'est un point d'interrogation. Donc, vous me direz vos retours. Voilà. Donc, je vous ai donné les deux nouveautés qu'il y a dans ce mage. Donc, les épouvantails que vous pouvez vous crafter vous-même et les feuilles ici. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!